Samedi 8 juillet 2023, Lucas Zidane a partagé des photos de ses vacances en famille. Sur Instagram, le jeune footballeur, ses frères et ses parents ont pris la pose en maillot de bain à la plage, laissant apercevoir leurs abdos. Une véritable tradition. Chaque année, le clan Zidane profite du soleil ensemble afin de faire descendre la pression. Depuis leur rencontre à l'âge de 17 ans, Zinedine et Véronique Zidane ont eu 4 enfants, Enzo, 28 ans, Lucas, 25 ans, Théo, 21 ans, et Elias, 17 ans, dont ils sont très proches. Samedi 8 juillet 2023, sur Instagram, Lucas Zidane a partagé de magnifiques photos de famille. Sur la première, le clan prend la pose en maillot de bain à la plage alors que sur la seconde, le jeune footballeur apparaît aux côtés de sa mère, Véronique, sur un bateau. Sur la suivante, les quatre frères sourient auprès de leur grand-père. Enfin, sur la dernière, le jeune homme fait du jet-ski dans une eau turquoise. Dans la section des commentaires, les internautes ont été nombreux à réagir, et se sont particulièrement concentrés sur leur physique. On peut ainsi lire. C'est un catalogue d'abdos, maman déesse a donc enfanté de quatre dieux grecs. On se rapproche dangereusement de la perfection dans cette famille, chez les Zidane, le gras est aux abonnés absents, mais aussi, trop d'abdos sur cette photo. Sur son compte Instagram, Théo Zidane a partagé quant à lui des photos de leur dernier tournoi de pétanque. Enfin, Enzo Zidane a posté les mêmes clichés, en écrivant en légende, toujours ensemble. Zinedine Zidane, un exemple pour ses quatre fils en septembre 2017, dans une vidéo mise en ligne sur le site officiel du Vitória Alavés, Enzo Zidane avait évoqué sa passion pour le football. Après avoir assuré qu'il jouait depuis qu'il marche, celui-ci avait indiqué, « On a toujours eu un ballon à la maison et on a toujours joué partout, dans le jardin, dans la rue avec les copains. On a toujours fait de la compétition. Nous sommes quatre frères, on est très unis, on passe beaucoup de temps ensemble à jouer, et personne n'aime perdre, ce qui a donné de bons moments. On aime tous la même chose, le football. » Interrogé sur son modèle, le jeune homme avait glissé avec admiration, « C'est clairement mon père. Il a toujours été un exemple. Il a été un grand footballeur et je prends toujours exemple sur lui, sur plein de choses, surtout. » I'm